let me make you together. How much is it? Depends. Well, it depends. Usually, this is the price. Which price you pay? Ils sont partout, sur la place du Tertre, au lieu touristique de Montmartre. Les portraitistes à la sauvette. We take our time to visit the place and then we come back. It's okay? No, it's not okay. I'm going later. Just why not now? Des prix à la tête du client, des touristes escortés au distributeur pour retirer du cash. I paid 120 euros for this portrait in Montmartre. On s'est fait passer pour des touristes pour comprendre comment s'organise le business illégal des portraitistes ambulants de Montmartre. Spoiler alerte. On s'est fait arnaquer aussi. Surprise for you. Hello. Hello. If you want, you and your boyfriend together. Hollywood, Hollywood. Here and boyfriend is here. Okay, just me. I don't move what I do. You do it what you want. Where are you from? Et là, sans nous demander quoi que ce soit, un autre artiste s'installe sur le côté et commence à dessiner. Surprise for you. Voilà. You're great. Oh, but you ask for poetry? It was a surprise. Et lorsqu'on lui fait remarquer que nous n'avions pas donné notre accord pour ce deuxième portrait, le dessinateur s'agace. Why you ask me this question? Why you ask me this question? I want to understand. I love to draw people surprise. Okay. I don't love to draw people. No. J'ai fait, il est super. You're a great model. Et vous verrez, au moment du paiement, que leur méthode ne s'arrête pas là. I was sitting outside at a restaurant and this man came up and told me that I was beautiful and that he wanted to draw my picture. Once we were finished, when he told me how much it was, he said, oh, and for color, that's an extra. I was like, this is a lot for a painting. I didn't have any cash on me, so he actually walked me to the ATM and had me take out cash. I thought I was getting scammed. I don't think it looks like me. Ce portrait, on l'a montré à Rodica, peintre à Montmartre depuis une cinquantaine d'années. Comme ceux installés sur la place, elle détient une autorisation d'exercer par la mairie. Ah oui, c'est très exagéré. Elle n'avait pas à le prendre. C'est surtout ça. Les gens ne savent pas. Vous êtes d'accord pour dire que ça ne valait pas 120 euros? Non. Surtout si ce n'est pas ressemblant. Ici, les prix sont tous plus ou moins au même niveau parce que les artistes travaillent les uns à côté des autres. Ils n'ont pas le droit de travailler ou de racoler, de solliciter les gens sur la voie publique. Ils le font quand même, c'est ce qu'on appelle les artistes volants. Ça nuit beaucoup à notre réputation. Et justement, nous, combien on a payé? I only 20 cash. I have no ATM here. 60. Look, there this is ATM. 60, right? Yes. 60 euros pour un portrait, c'est pas excessif comme prix. Mais il y en a un qu'on n'avait pas demandé et c'est quand même pas très ressemblant. On avait mis à un certain moment un grand panneau avec des informations pour les touristes là-bas. Il était marqué dans toutes les langues que les artistes autorisés étaient ici et non pas là-bas, que les gens n'étaient pas obligés d'acheter ni de payer le prix demandé. Mais avec les travaux qu'il y a eu, le panneau est parti. Maintenant, on attend que la mairie le réinstalle. Sur la place, certains commerçants jouent le jeu, alors que d'autres préfèrent avertir leurs clients. Pourquoi vous leur avez fait ce signe? C'est parce qu'en fait, 90% du temps, les artistes ambulants qui viennent, ils font mal au crâne aux touristes, en fait, ils apprécient pas ça. Il y a des artistes, qui sont pas forcément présentables, qui viennent les aborder avec une cigarette à la main, ils sont un peu alcoolisés. Il y en a, par exemple, qui sont là, ils sont là juste pour faire un petit billet, quoi. Selon cet élu, le problème est bien connu par la mairie. Ce sont ce qu'on appelle des sauvettes, des vendeurs à la sauvette. Vous pouvez avoir dedans de vrais artistes, il y en a, de vrais portraitistes, de vrais caricaturistes, il y en a. Mais seuls les titulaires d'une carte d'artistes ont le droit d'exercer ici. Pour obtenir une place, il faut répondre à l'appel à candidature. Ce n'est pas nous, service de la ville de Paris, qui sommes en capacité d'analyser la qualité artistique des propositions. C'est une école d'art appliqué. Et nous missionnons très régulièrement la police municipale et la police nationale pour faire des opérations d'éviction des vendeurs à la sauvette. À ce moment-là, ils se planquent. Ils jouent au cache-cache comme nous on faisait à 40 ans. Ils donnent quelques PV, ils confisquent leur outil de travail et ça s'arrête là. Mais ça reprend après, malheureusement, c'est sans fin.